Je suis esclave de la musique. Esclave? Je ne peux pas vivre sans musique. La musique, c'est la vie. Bien sûr, le damier, le bélet. Par exemple, je vous une adulation invraisemblable pour vos petits réchauds. Ou à celui qui vient de nous quitter, là, pour vous. J'ai connu il y a 50 ans. J'ai été l'un des premiers à monter dans les campagnes de Saint-Marie. Il faut mieux voir que les besoins des mondes des Est enregistrés avec Franck Hubert, Jean-Paul Césaire. Beaucoup maintenant m'appellent aussi l'archiviste de Mandier, mais comme j'ai tout perdu, je ne peux plus rien offrir, des souvenirs, des choses enregistrées. Puis j'ai eu la chance de naître en gros entre Redoute et Thiers-Saint-Ville, ou Thiers-Saint-Ville, le quartier Obéou. Je suis voisin de ce jour-là. Mais oui, enfin, son nom, hein. Sans surnom, tout le monde est connu comme Mémé Pouli. Il avait de très longs cheveux, en clé, il vivait à 10 mètres de là où nous vivions au Seigneur. Et monsieur m'a appris à jouer au Seigneur. Il m'a appris à faire, à couper le bambou, à faire le Seigneur. Il nous apprenait à tout faire, la pauvreté, tous les voisins, mes frères, mon frère et moi, on connaît à nos oreilles, les cachons propres. Et ce type-là, le soir, il collait le signal, une poitrine sur vent, en notre extrémité sur le feu d'entrée. L'acoustique est unique au monde. J'invite tous les musiciens à rentrer, s'ils veulent faire un bon enregistrement en studio, de jouer le signal. Le signal martinique, non pas le truc humain ou haïtien, non, c'est martinique, sur le feu d'entrée. J'ai un gros problème avec le type haïtien. Les gens ont des orchestres, ils confient le travail du tibois sur le morceau de bambou. Faut pas comprendre. La musique du cheval bois, c'est la musique du cheval bois. C'est la musique gay. Le bélet est sérieux, le damier est sérieux. Pas le confondre avec la musique de bambou. Notre damier, faut pas oublier sa fonction première. C'est la lutte à mort. J'ai eu l'occasion de vivre deux morts. Dans les derniers, quand j'étais gamin, c'était une lutte à mort. Ce qui n'existe pas au départ. Qui n'existait pas au départ, ni en Guadeloupe, ni en Guyane. À la Martinique, le dernier, le Nadja, c'était à mort. J'ai vécu deux occasions. Une fois à la fin de l'état civil, et l'autre fois au bord de mer. Donc devant le kiosque, chaque fois que la fête voit le français, la fête de Saint-Ville, dernier. Il habitait les états civils, là où tu sais, il est porté avec mon frère, pour trouver la savonne. Dernier qu'a oublié. Un grand boulot colosse, peut-être deux fois plus fort que toi. La même qu'un c'est ça. Quand vous rentrez, il y a les saluts de Mouraille. Et en vous rentrez à la mode, on vous fliette. Mais sur même. Mais sur je la place indienne. Vous êtes la mode là. Je ne parle pas de tous les détails de la ronde, de ceci, cela. Mais ce que j'ai vu de mes yeux vus, c'est indien à un moment. Il est venu bon Dieu sur les deux jambes, c'est la tête en bas. Et c'est deux jambes en bas qui le coupent le colosse. Et le colosse le prend. Et qui s'est dit, un petit fillette là, il l'a exoua en l'aïe, à Syrie. Et tout ça, la guerre vole. La guerre vole, vous pourrez pas Syrie. Si vous voulez pas Syrie, la guerre vous l'aurez tout fait.
Et Jafouette, tellement il avait pété tout ça de la cause de son adversaire, il était un colosse. Et Jafouette, imagine-toi, mon frère et mon avocat, il était à Saint-Ville, plus vite qu'un bac pour capucher en fait. Plus vite qu'un bac pour capucher en fait. Plus vite qu'un bac pour capucher en fait. Ah ouais. Vous avez su après qu'il y a eu des recherches pour savoir qui avait tué, qui n'avait pas tué. Il était resté par terre, il était mort. Bouga, c'est vrai. Il était mort.